Donc sur certains titres de cet album, Le Prince, tu es crédité en tant que compositeur ou coproducteur. C'est une première pour toi ou pas? Oui et non. Dans le sens où à l'époque je le faisais instinctivement un petit peu, je donnais un peu une direction à certains compositeurs. Mais là vraiment pour le coup, ouais, je me suis beaucoup plus engagé, j'ai beaucoup plus travaillé avec les compositeurs, les réalisateurs. Voilà, je me suis vraiment engagé certains morceaux parce que oh, carrément comme tu vois je suis à la compo. C'est-à-dire que bon certes je sais pas jouer du piano, voilà, en solfège, mais j'arrive à me sortir des mélodies de la tête, m'asseoir avec un compositeur qui justement fait ça à sa sauce, mais avec mes idées. Donc du coup, concrètement, t'as fait quoi? T'étais derrière les machines, t'étais Franchement, j'ai tout fait. des petits arrangements, Ouais, exact. des... Les arrangements, j'ai laissé plus. J'ai travaillé avec DJ Core, qui a réalisé une bonne partie de l'album. Donc après, c'est son métier. Donc voilà, je l'ai laissé faire. J'ai participé grave, voilà, à la compo, les arrangements, certains endroits, j'avais des petites idées et je voyais qu'il avait les mêmes et qu'il allait encore plus loin. Donc moi, ouais, je me suis grave laissé diriger aussi par DJ Core sur tout ce qui est réalisation, mais sinon sur la compo, sur les top lines, j'ai réussi à me trouver des lignes mélodiques tout seul. Certaines fois, j'ai fait appel justement à DJ Core encore qui m'en a ramené. J'ai travaillé avec Danny Santé, un compositeur qui m'a fait pas mal de tueries. Sonar aussi, Danny Santé, on a beaucoup travaillé ensemble aussi sur des prods. Parce que je me suis assis avec lui au studio, on a passé voilà, des nuits et des nuits. Il me rajoute à sa sauce, il me rajoute des petits trucs, je lui fais des idées, je lui donne des idées. Ouais, franchement, c'était un bon échange. Ouais, sacré bonhomme, Denis Ouais, Saint-Hébert. franchement, sacré talent aussi. Ouais, d'ailleurs, quels sont tes... Enfin, je sais pas si t'en as un. Ce serait quoi tes beatmakers favoris? T'as des références en termes de prod ou genre des mecs vraiment qui te... Paf! Tu les entends et tac, ça t'accroche pas de suite ou... Ben, pour l'instant, ce que je vois, c'est ce que j'ai découvert, quoi. Pour l'instant, tu as DJ Core, avec qui j'ai travaillé, là, qui a été lourd, Danny Santé, Sonar, tu as le label Synchronique, que j'oublie pas, voilà, avec qui je travaille beaucoup. Tu en as beaucoup qui me parlent. Tu en as même des nouveaux avec qui je travaille. J'en ai quelques-uns qui vont me sortir de la tête, t'as vu, désolé, c'est pas fait exprès les gars, mais voilà, t'en as beaucoup qui me parlent et voilà, je suis toujours à l'affût et toujours à la recherche de nouveaux compositeurs. Ok, et puisqu'on parle pour des compos, il y a une instru qui se démarque vraiment des autres, c'est celle de Pietro Beretta, qui est assez surprenant, et à Ouais. bien des égards. D'une, parce qu'il y a des scratchs, ce qui est plus très usuel aujourd'hui, tu vois. Exactement, ouais. Et de deux, parce que ça flirte un peu avec le rock. Donc, qui a produit ce track? Pourquoi avoir tenté ce truc? Et qui aussi signe les scratchs? Parce que ça, déjà, honnêtement, c'est aujourd'hui, ça se fait plus trop, tu vois. Bah déjà, moi je suis un mec, je veux pas dire old school non plus, mais quand même, voilà, j'ai grandi avec une certaine culture hip-hop, où est-ce qu'on a pu me retrouver sur des morceaux comme Funk You ou Funk You 2 avec DJ Abdel. Et pour moi, t'as DJ Abdel, t'as Cut Killer, tu sais, c'est vraiment deux grands noms du rap. En tant que DJ, c'est vraiment des gens, voilà, Abdel plus dans la funk, Cut Killer plus dans le rap, je dirais. Et voilà, j'avais un morceau qu'on m'avait balancé. C'est Sonar qui m'avait fait une instru que j'avais kiffé. Et j'ai commencé à gratouiller. J'avais un couplet qui était déjà fait, que j'ai reposé avec un nouveau flow, genre une nouvelle mélodie. J'ai continué à gratter dessus, il me parlait grave, j'avais pas fait de refrain. Et je m'étais dit que dans mon album, il me fallait un morceau où est-ce que le refrain, ça serait des scratchs. Parce que moi, je kiffe, je me rappelle des sons à l'ancienne, t'avais des morceaux, c'était de la tuerie. C'est scratché, t'en avais beaucoup, t'en avais chez IAM, t'en as eu même chez les Américains, t'en as eu partout. Et franchement, c'est un truc qui claque. Et qu'on retrouve pas forcément dans beaucoup d'albums. Donc je me suis dit pour le coup, je vais en parler à Cut Killer. Et je lui en ai parlé, il a été grave chaud, il me l'a fait, franchement il m'a fait de la tuerie. Et voilà, ça reste. Je me rappelle, j'ai fait écouter le morceau à deux trois potes à moi, des DJ. Première note, direct de scratch, dès que ça commence, ah ouais. Direct, il me disait, tu sais, moi je saurais pas ressentir ce que eux ressentent, étant donné que, tu sais, j'ai pas ce truc en moi de vraiment DJ, mais tu sais, je sens la magie, quoi. J'ai vu les mecs, quand ils ont écouté le morceau, ils étaient gars, ils m'ont dit, ah, franchement, t'as fait fort. Donc c'est cut au scratch sur ce Cut morceau. Killer au scratch. Alors que la plupart de tes pairs ne jurent plus que par la trappe, toi, mis à part un morceau comme Chambre 1408, Ouais. t'en fais pas trop. C'est une façon de te démarquer ou simplement c'est pas trop ton truc la trappe? Je dirais pas que c'est pas trop mon truc, dans le sens où je viens de découvrir quand même, justement pas. Je viens de découvrir il n'y a pas trop longtemps le trap music.
Mais après, bon, comme c'est beaucoup d'actualité, les gens kiffent, on va pas se mentir. Donc je me suis senti dans l'obligation de faire avec ça, avec mon époque. Enfin, à un moment, faut suivre son temps. Et bon, comme c'est dans l'air du temps, j'ai montré que voilà, je savais poser sur un peu tout et n'importe quoi. Et ouais, ça me parle grave. Mais il faut pas oublier que il y a des instruments qui me parlent beaucoup et je voulais pas justement ressembler à trop à tout ce qui sort aujourd'hui et faire que du trap. Ça, non, ça ne me correspond pas. Enfin, aujourd'hui, pour l'instant, Tu quoi. dirais que tu as un son un peu 19e ou pas? Ouais, bien Parce que sûr, tu mine de rien, ressens le. tu vois, ces dernières années, je vois avec l'émergence de mecs comme Style Fresh, Esprit Noir, machin, on sent qu'il y a une espèce de, comment dire, d'identité sonore Parisienne. 19e, même juste 19e, je dirais même plus, parce Ouais, que je dis parce que 19e. moi je Après, je sais pas ce que resterai. t'en penses, toi, mais. Si, ben, dans le sens où ce que t'écoutes déteint sur toi. Quand t'es gamin, tu sais, c'est un peu une espèce d'éducation musicale. Étant gamin, moi j'ai été bousillé au Oxmo Puccino, qui est du 19e arrondissement, et qui pour moi a été le mec qui a porté le 19e arrondissement. Et c'est vrai que la plume, elle se ressent grave, quoi. Et ensuite, j'ai beaucoup écouté de Secret Connection étant gamin. Donc ça reste aussi 18e. C'est vrai que c'est une autre sorte de plume, mais ça reste quand même, voilà, des piliers. Qui, voilà, ça reste mes professeurs. Ok, donc tu fais pas beaucoup de trap, mais du coup t'es toujours dans la bonne direction et jamais dans la tendance, c'est ça? Exactement, Enfin, voilà. je sais Ouais. plus comment la Jamais formule, mais tu vois, dans la tendance, mais tu es toujours dans toujours la dans la bonne bonne direction. direction. Secret connexion. Voilà. Alors après, écoute ça, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu ça traîner dans ta gauche. Pareil, ton album s'appelle Le Prince en référence au livre de Machiavel. Tu confirmes ou pas? Oui et non, oui et non, non. Oui, pourquoi? Parce que j'ai un collègue à moi qui s'appelle Sami Belhadj, à qui je fais une grosse dédicace. Quand il avait entendu le concept de mon album, Le Prince Mister You, lui c'est un prof de philo. Il m'a dit, You, j'ai une idée pour toi, je vais t'écrire un livret, un espèce de livre comme Machiavel a écrit au prince, et il m'a écrit un livre qu'il a intitulé lui Le Prince, genre enfin un livret d'une dizaine de chapitres en référence à Machiavel. Et ensuite, moi, le prince, c'est, comme je disais dans une autre interview, c'est une espèce d'arc-en-ciel. C'est plusieurs facettes de moi-même. Je peux être un prince charmant, je peux être le prince d'Arabie dans United. Je peux incarner un tas de princes. Ok. Tout à l'heure, on parlait de Funk avec Funk You. Donc, du coup, dans le précédent album, il y avait donc ce titre-là, Funk You. Et cette fois-ci, il y a Mister, qui est assez funky aussi. Donc, du coup, c'est une musique avec laquelle que tu as grandi, toi, le Funk ou. Plus mes grands frères. Ok. Ouais, moi j'ai été plus rap, R&B, variété française, des musiques orientales et un peu de funk. Mais du coup, ça te vient d'où ce goût pour le funk que tu as? Parce que Minara, c'est quand même le troisième morceau assez funky que tu fais. T'as fait Funk You, Funk You 2, Funk You 2. Ouais. Et du coup, Mister qui est quand même assez funky aussi. Ouais. Quand tu regardes sur un catalogue de plus de 200 morceaux, je trouve que ça fait peu. Ouais, mais il existe quand même. Ouais, mais Tu penses 3 sur ça? 200, Ouais, c'est rien, mais bon. c'est quelque chose quand même, ouais. Voilà quoi. T'as des mecs sur un catalogue de 200, ils ont zéro morceau funky. Ouais. Toi, tu les as. Après, c'est justement pas moi, la fin qui m'a orienté là-dessus, c'est DJ Abdel. Donc voilà, faut rendre à César ce qui appartient à César. Voilà, c'est DJ Abdel qui m'a amené sur ce milieu-là, sur Funk You 1, sur Funk You 2. Et le 3, à la base, c'était même pas parti dans le délire funky. C'est plus l'instru qui a une sonorité assez funk. Bon, c'est DJ Core, voilà, qui m'a présenté l'instru. Et j'ai kiffé direct. Je suis parti sur une ambiance, enfin un morceau un peu ouvert pour continuer à ouvrir mon album. On en parlait tout à l'heure, là, avant l'interview. Sur United, tu rappes exclusivement en arabe, donc c'est pas la première fois. Donc, du coup, t'as un public au Maroc qui te suit quand tu. Au-delà du Maroc, au Maghreb, parce que en fait, United, déjà le titre en dit long. C'est histoire de s'unir, de montrer que tu sais, t'es Algérien, t'es Marocain, t'es Tunisien. C'est quoi? C'est une frontière qui nous sépare. Hein. Voilà quoi. On reste des frères, on reste tous des frères. Enfin, à la base, tous les humains sont des frères. C'est ce que je veux dire. Mais c'est vrai que on a souvent cette tendance à. Ouais, je suis Algérien, je suis Marocain, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pareil. J'ai visité l'Algérie, j'ai visité le Maroc, j'ai visité la Tunisie. Quand je vais dans les trois pays, je me sens ressourcé. L'Alliance méditerranéenne, quoi. Ouais. Tu ressens aussi avec le sud de la France ou pas? La France, elle a aussi le cul qui traîne dans la Méditerranée, quand Ouais, même. bien sûr, ouais, un petit peu. Bien sûr, tu le sens, bien sûr. On est monté jusqu'à Poitiers à l'époque. Enfin, j'étais pas là, mais. Donc, voilà, jusqu'à Poitiers, je pense que tu sens ce côté méditerranéen. T'as fondé il y a peu le label. Alors,
je sais pas si je prononce bien, parce que j'ai pas trouvé exactement la prononciation exacte sur internet. Stive Music. Parfait. C'est bon? Ouais. Ok. Du coup, quelles en sont les premières signatures? Alors, il y a Albandi, un jeune rappeur du 93. Tirgo, un jeune rappeur du 94. Et Blaxo, un rappeur du 60. Et voilà, c'est les trois artistes pour l'instant phares de ce label. Et ils sont en plein développement artistique de eux-mêmes, quoi, ils travaillent. Moi, je suis plus voilà, là pour les soutenir et voilà, leur apporter quelques petits conseils qu'ils ont apportés. Mais maintenant, c'est eux qui travaillent, qui charbonnent, ils travaillent dur. Moi, j'ai l'opportunité voilà, d'avoir mes studios d'enregistrement, d'avoir accès à plein de compositeurs, voilà, à une équipe autour de moi. Ils peuvent voilà, jouir des mêmes armes que moi. À leur échelle, bien sûr. Et c'est un label qui a été fait pour justement dénicher de jeunes talents et leur ouvrir une porte que concrètement, ils ont du mal à trouver et parce leur présenter. Il y avait une rumeur qui disait qu'il y avait Nesbill qui avait signé. Donc du coup, Nesbill qui avait signé. Ah, Non, on est d'accord. Non. Nesbill, par contre, a annoncé son retour en posant sur mon album. Voilà, pour information. Le morceau c'est 11:43, où est-ce que j'ai invité pas mal de monde, dont Nesbill. Ouais. Non, le dernier même. Ouais, c'est. Et voilà, il tenait à. Ça lui a fait plaisir l'invitation. Ça m'a fait plaisir qu'il accepte. Et en même temps, ben, on en profite pour annoncer son retour. Et m'a fait écouter 2-3 tracks qui vraiment, pour le coup, sont très très lourds. Il y a des surprises. Je peux pas dire ce que j'ai écouté parce que voilà, c'est pas mon travail. Mais en tout cas, franchement, il arrive avec du lourd. Bon, ça va. T'as une petite idée de quand ça pourrait sortir? Ça par contre, les dates, non. Par contre, moi, ce que j'ai écouté, c'est. Voilà, c'est les connexions. Il a du lourd, le garçon. Okay. Il arrive avec du lourd. Tu dirais quoi? Plutôt roi sans couronne? Là, c'est la couronne. De toute façon, Nesbill, ça a toujours été le roi sans couronne. C'est moi de. C'est un des rappeurs que voilà, j'ai. J'écoutais étant gamin, comme je l'ai déjà dit, moi Nesbill, je l'ai découvert en 96. Ouais. Sur un freestyle radio, où je connaissais même pas sa tête. C'était un truc qui tournait sur des cassettes, un peu partout. On était en 96, j'avais quel âge? J'avais 12 ans. Donc j'en ai 30, ça fait 18 ans. Pour moi, il est toujours là, donc. Et ça me parle toujours. Donc c'est vraiment un artiste à part entière. Ok, tout à l'heure, on parlait du rap du King de Vienne. Ces dernières années, il s'est pas mal développé. On parlait de style fresh, esprit noir, tout ça. Qui, d'ailleurs, j'ai déjà interviewé il y a peu de temps, notamment style fresh, qui me disait, genre, qui. Après, lui, c'est ce qu'il me disait, hein, mais qui te faisait pas mal. Du coup, t'as l'impression d'être un petit peu à l'origine de, comment dire, de ce renouveau au sein du 19e ou pas? Sans prétention, même sans fausse modestie, tu vois. Mais est-ce que t'as pas l'impression d'avoir un petit peu initié une deuxième vague? Je pense que c'est un espèce de relais qui se fait. Voilà, naturellement, dans le sens où j'ai eu mes mentors avant moi et il y en aura après, j'en ai été pour certains et qui aussi le seront pour d'autres. C'est un éternel recommencement et voilà, maintenant, c'est vrai que quand même ça a beaucoup tourné. C'est toujours comme moi, comme je le disais quand j'étais jeune, quand j'écoutais Oxmo, si ça me faisait quelque chose parce que je me disais, le mec, il habite pas loin de chez moi, quoi. C'est-à-dire que, waouh, tu sais, il est pas loin, il a réussi, il est fort, il est. Tu sais, ça reste un rêve que. Limite palpable. Donc je pense que, ouais, limite, tu sais, quand t'as écouté mes sons pendant un bon bout de temps, et tu vois que, voilà, ça t'a parlé, ça t'a permis de, justement, de travailler toi aussi ton écriture, ben, je peux que en être fier. Et style fresh, me parler, genre, parmi les rappeurs de ce coin, genre 19e, 11e, 20e, tout ça, parmi les mecs qui ont grave inspiré, les X-Men. Je les avais oubliés aussi, bien sûr. X-Men, tu sais, tu prends à l'époque. Les retours aux pyramides, tu l'écoutes encore aujourd'hui, c'est intemporel, c'est des classiques. Voilà, c'est de la tuerie. Ouais, t'en as eu beaucoup à l'époque. T'avais les X-Men, t'avais ATK, t'en avais un tas. Moi, j'étais gamin, justement pas. À l'époque, j'avais une cassette, elle s'appelait La Griffe Urbaine. C'était, vas-y, tu retrouvais même des mecs CMP Family. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, j'étais jeune, j'étais gamin. Le mec, je l'avais déjà vu 2-3 fois dans le quartier. Tu sais, je kiffais. Le mec, il me connaissait pas, j'étais là, j'écoutais ses musiques, tu sais, je chantais ses textes, c'était magique, je kiffais. Et ouais, voilà. Une autre époque, CMP. Exactement. C'était produit par, comment il s'appelle, Jimmy J, le mec qui a produit MC Solar. Mmh. C'est dingue.
Juste après, tu me dis, hein, mais moi c'est l'impression que j'ai eu en l'écoutant, et visiblement c'est l'impression de pas mal de gens aussi. Je trouve que le prince, tu vois, dans ses niveau de la prod, tout ça, au niveau de l'esthétique sonore générale, il est plus street que dans Ma Grotte. Bien qu'il y ait des titres qui soient, tu vois, hyper radio-friendly, genre, je sais plus, il y a À Toi, il y a machin, qui sont un peu plus pop, mais ouais. Je trouve que tu vois, dans l'ensemble, il y a un côté un peu plus rentre-dedans quand même. C'est normal. Je dirais, tout d'abord, étant donné le. Comment ça s'appelle? La logique des choses. On parle de Dans Ma Grotte. Ce qu'on attend, c'est quoi? C'est un Mister You qui est en prison, qui sort de prison, qui va faire qu'insulter l'administration. Tu sais, on s'attend à un mec hard, cru et vulgaire, limite, j'ai envie de dire. Donc, pour contrer les clichés, je me sens dans l'obligation de non, justement, ne pas vous donner que ça. Et là, maintenant, on va me dire quoi? On va me dire, bah, maintenant, t'es plus en prison, t'es plus là. Qu'est-ce que tu vas nous. Ben, justement, faut quand même garder ce. Tu sais, ce petit côté street. Parce que. Quand même, c'est là où j'ai grandi, voilà, j'ai commencé par le rap ghetto, mais ça reste mes racines, dans le sens où quand on écoute un morceau comme À Toi, ça se rapproche de la pop, si ce n'est, c'est de la pop. Et c'est histoire de montrer cet album, que justement, c'est une page qui se tourne, et maintenant, bon, voilà, c'est fini tout le buzz de, justement, tout cet engouement médiatique autour de, voilà, mes problèmes judiciaires, voilà, si, ça, bah, maintenant, on va voir ce que l'artiste à part entière arrive à faire, et ce que j'ai réussi à faire, c'est ça, un album qui s'appelle Le Prince. Ok, les problèmes judiciaires sont définitivement réglés ou pas? Oui, grâce à Dieu, oui. Ça fait. J'ai compris, mai 2013, voilà. J'ai terminé, c'est bon. Okay. C'était long, c'était fatigant, mais jusqu'ici tout va bien. Donc, du coup, maintenant t'es complètement libre et tu peux. Ouais, voilà, je peux jouir de mon art. Quand tu as envie, quoi. Exactement. Bon. Dans la limite du raisonnable, bien sûr.